Vous allez être en union avec ceux qui sont malades, victimes de la pandémie, qui sont dans les hôpitaux ou dans leurs maisons. Ensemble, nous disons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celui qui nous a offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qui appartiens, le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et qu'on y avait une idée parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Et avec votre esprit. La paix du Christ.
Seigneur. Dieu qui accorde les dons du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut.